Michael Bonnard, le duc pour Vivarfleur. Il l'a pas fait exprès, oui, il l'a lavé avec la langue, mais c'est sa fille. Ah non, non. Armageddon, dès que vous trouvez que ça va trop loin, vous dites Armageddon. D'accord, c'est notre safe word. Est-ce qu'il y a des enfants dans la salle? Attends, je te rappelle que ce jeune homme a un caméscope. C'est le seul qui filme pas avec un téléphone, il a un caméscope. Ouais. Il est comme ça. T'es au courant que tu as 10 fois mieux sur ton téléphone. Ouais. Non, mais t'as raison, mec, t'as raison. C'est pourquoi est-ce que tu filmes avec un caméscope? C'est pour YouTube. Ah. Il est en train de nous exploiter. Il nous exploite. Non, c'est de la publicité pour le film. Mais je sais bien. Ah, c'est bien. Voilà. Est-ce qu'il y a des enfants dans la salle? Quel âge? Mais toi, t'es pas un enfant. Tu lèves pas la main, toi? T'as quel âge? Non, il est 13 ans. Bah, t'es un enfant, je te rappelle. Non, mais il y a un ou deux moments, bon... Ça a accroché un peu, c'est tout. Voilà, je sais aux parents qui sont à côté. Notamment, il y a un moment, il y a Arnaud qui enfin, son personnage, c'est pas lui en personne. Mais on va voir sa stouquette, voilà. Là, je dis ça, c'est parce que comme les croyants, la stouquette, elle va faire dans les... non, comme les croyants, la stouquette, elle va être là. Non, mais on va bien être sur une 2m50, hein. Évidemment, c'est sans parler des Les copains qui viennent avec. Donc, à ce moment-là, c'est facile. Arnaud va se lever dans le lit de Frédéric Bell. On vous raconte la scène un peu. La caméra est de dos, donc on va dans mon parking à vélo. Je sors du lit. À un moment, il va passer de la cage d'escalier à la cuisine. À ce moment-là, regardez votre enfant, vous faites « Tu passes du popcorn ?» Voilà. Le gamin, il est fait « Hein ?» Voilà, et il voit pas. Si vous êtes célibataire et que vous êtes une fille, c'est à ce moment-là, vous sortez votre téléphone, vous faites un snap. Mais comme ça, tu fais comme ça. Moi et la teub d'Arnaud Ducré. Toi, je sens que tu vas le faire. Elle va vous emmerder tout de suite avec son rire. Je préfère vous prévenir. Parce que vous allez beaucoup rire sur ce film. Non, monsieur le juge. C'est vrai que c'est vrai. Alors, Sophie, tu savais pas qu'elle était mineure. Patrick? Romain? Pour le style? Enfin, fais les blagues, bon. C'est une blague. On peut plus rigoler avec rien maintenant. Tout est sujet à 10 cordes. À polémique. Et s'il peut y en avoir 9, il y en a 10 cordes. C'est nul. Ouais, vous êtes la 5ème salle. Hein. Non, n'applaudissez pas ça, vous êtes la 5ème salle, on a plus qu'à goûter. Non, mais sincèrement, vous avez le droit de lui demander de sortir. Et il revient. Il a un gage. Il est obligé un gage. Qui a une bonne idée de gage? Non, parlons du film. Non, t'as un gage. Non. Voilà, c'est moi, j'ai un gage. Vous êtes. Alors vous venez pour quel film? Moi je viens pour Défenseur. Vous avez pourquoi vous publiez? Non, en avant le film Rivoire. Rien à voir. Je suis une des voix. Ah désolé. Je suis une des voix. On a le prix de la pelouse. La pelouse est... Oh, vous n'êtes pas obligé, je suis juste là. On a eu le grand prix du jury à l'Alpeneuse, le prix de la presse, on peut dire que l'autre, il chialait, le Midi-Alpi, le prix de la presse. Attends, tu peux lancer. Attends, il y en a. Attends, c'est toujours toi, c'est toi qui les auras lancés. Vas-y, lance. Vas-y, balance. On est extrêmement fiers. Oui, extrêmement. C'est vrai que les récompenses, on n'en prend pas souvent. Même le permis pour tirer. Moi, je dis qu'à présent, oui, c'était le permis, le plus beau diplôme que j'avais eu. Non, on est très très heureux de venir vous présenter ce film, de voir que la salle est remplie, de voir que vous êtes souriant à part toi. Ah, il y a un mec à tousser. Oh putain. Viens. Voilà. J'ai entendu, ça se fait comme ça. Donc, vous dans la tête. Arnaud. Ouais. Viens. Est-ce que tu veux qu'on prend le même bus? Ah, on embrasse François.
François Xavier de Maison, de Flo, Caroline Anglade, Lucien Jarry, Vincent de Sania, Carpal, McFly, Carlito, T'arrêtes de tout filmer, on va avoir des problèmes avec la justice. C'est que on est tellement près que les mecs qui filment et de derrière j'ai jamais vu son accent. Est-ce que vous avez des questions à poser sur le film que vous n'avez pas vu? Alors déjà, que ce soit bien clair, qui va aimer le film? Levez la main. Ah bien. Qui ne va pas aimer le film? Levez la main. Je te rappelle, Joystar, depuis le début, je suis dans le pif. Et qui ça? Je le savais. Lève la main. Tout ça parce que ton mec s'est barré avec ta meilleure amie. Ah, voilà. Et ben dommage, c'était pas ta meilleure amie. Et c'était pas ton mec. Fantomas. N'importe quoi. On parle fort. Ouais, excusez-nous. Et c'est vrai qu'il faut tellement d'énergie quand on arrive pour se dire. Il s'est blessé en plus. Il s'est blessé juste avant. Sans déconner, on a fait un truc. Il a sauté dans. T'as fait le jonc comme d'habitude. T'as sauté sur lui. Il s'est ouvert toute la jambe. Là. Il ne vaut pas vous montrer parce qu'il est publiquement totalement ta jambe. Non, mais non, parce que maintenant j'ai mis le pansement, ça n'a pas été lui, film. C'est pas grave. T'as pas l'envie de tes fesses, tout ça, toi? Non, je suis pique. Je vais flotter, hein. C'est nul, ça va. D'ailleurs, elle n'a pas aimé du tout cette panne. Je te l'ai montré. Vous la notez? Vous la direz? C'est pas vrai. Oui. Alors, viens. Ça sent le 25 mars, messieurs, dames. Ça sent le 25 mars, très bien. Tu gagnes un paquet de popcorn. Si dans une heure et demie le film vous a plu, qu'est-ce que vous faites? Vous? Je te passe un coup de fil. Attends, j'entends pas. Shakira, je te passe un coup de fil. Mais t'as pas mon numéro? Oui, Instagram. Allez, 06-12-12. Qu'est-ce que vous avez dit là-bas? Je vous paye un verre si le film vous a plu. Tu nous payes un verre. Ah, on sera dans le centre de Bordeaux, d'ailleurs. Précise. Ça fait quand même 450 verres. On tient. Vous en parlez autour de vous. Voilà. Vous en parlez aux gens que vous aimez. Vous leur conseillez un bon film. En revanche, si dans une heure et demie, le film ne vous a pas plu, qu'est-ce que vous faites? On n'en parle pas. Si. Vous payez un coup. Si. Vous en parlez aussi. Il y a des gens que vous n'aimez pas. Vous avez tous, je sais pas, un voisin que vous détestez, un oncle qui vous a tripoté quand vous étiez plus jeune. C'est vrai? Ah, j'ai visé juste. Oncle Michel, le tripoteur. Ah, bien sûr. Et ben voilà, tu lui conseilles d'aller voir le film, comme ça tu te venges de tous ces. On peut plus faire ces vannes. Hein. Non. Si, justement. Oh, ça va, on peut rigoler avec un oncle tripoteur. Ça va. C'est John Statham qui joue dans le tripoteur. Bon, un mec qui fait pas de camion. Et puis c'est. Attention à ce que tu vas dire. Le tripoteur de Nina. Non, mais allez, tous les deux. Excusez-nous. Saint-Émilion. Saint-Émilion. Il était très bon. Il y a un monsieur, il y a un monsieur qui nous donne des bouteilles de vin avec il a repris l'affiche. Et il nous a dit, il faut le boire vite. Qu'est-ce qu'on va faire? Et lui, il fume tout, puis tout. C'est qu'on va bientôt, là. Non. Ça, je vous ai dit. Mais non, mais on va demander, là. On est trop près. On a déjà attaqué 3-4 fois. On n'a pas encore fait nos vannes d'extrême droite. Hein. Donc, on est obligé de les faire. On est à Bordeaux, tu vois. Armageddon. C'est notre séfoire, je l'ai déjà dit. Ouais.
Alors vous êtes là pour quoi? Ben écoutez, monsieur, on va vous laisser là. Non, mais t'es malade, on vient d'arriver. Ah bon, ouais, t'as raison. Ouais, mais bon, ils ont peut-être envie de regarder. Là, puis après, ils vont aller. Qui veut vraiment voir le film? Attendez, il y a 400 personnes qui sont pas là pour le film en fait. Il y a 5 personnes qui veulent voir le film et les autres, vous voulez voir quoi? Vous, voilà, ils sont venus pour toi. Alors, je te les laisse, c'est ton public, Carlo. Je sais que tu vas réussir à nous les ambiancer comme tu l'as fait depuis le début de cette tournée avec ce fameux sketch du camionneur. Mesdames et messieurs, Carlo est dans le camionneur. Vous voyez déjà quand vous avez pas... Là, ça, normalement, ça dure 15 secondes. C'est... Là, on vient de vous faire le bonsoir. Alors, imaginez... Ah, tout à l'heure, je voyais des lentes pour se gratter la nuque, je vous souviens. Vas-y, attendez, partez dans le choc. Non, je passe pas le micro, parce que toi, il est fort en avion. Bah, bonjour, Mickey Doul. C'est un grand plaisir de voir... De te filmer en train de poser une question. Tu filmes toi ou tu filmes moi? J'ai une question... Ah, tu filmes toi, bah, je me relance. Déjà, j'ai beaucoup aimé. Et je suis très fan de toi depuis Born in Life, parce que j'ai vu tous tes. Voilà, et je suis très fan. Et je voudrais savoir combien de temps ça a duré le cinéma. Combien de temps de toi, voilà, je vais dire. Merci. Combien de temps le cinéma a duré? Combien de temps? Concours d'anecdotes. Ah, vous ne regardez plus comme des vieux maintenant, hein. Finalement, ils sont pas si moches. Alors, combien de temps de monsieur Jean-Claude? 9 semaines. Et demi. Non, 9 semaines, tournée. Si, pourquoi tu te tapes? Non, mais c'est ça que je voudrais avoir une âme. C'est pas la mort première. Non, si vous voulez voir un Morning Live, ce sera le 19 mars sur M6, le retour de Vincent Benjamin et moi-même à 21h, soyez au rendez-vous. Tout va bien clair, vous êtes là? Oui. Est-ce que tu as connu le Morning Live? Oui. Ouais, c'est à toi. Ah, vas-y, fous-moi la paix. Neuf semaines de tournage à Toulon, Marseille et Saint-Provence. Merci, bonsoir. Ils sont pressés devant le film, ça y est. Ouais, ils sont pressés devant le film. On va faire plus une question. Ils vont jamais vous croire, vous avez dit que 9 semaines à tourner les films, quand ils voient l'ambiance ici ce soir, les 5 comédies et tout, ils vont pas 9 semaines, ça va. Bah, c'est court. Quand ils vont voir tous les 5. On aime bien bosser. En fait, on n'a pas l'air comme ça parce que ça n'est pas l'école, mais on aime bien bosser. On aime l'amour, du travail bien fait, vos chichas, des belles fusils. Quelqu'un a une question qui ne concerne pas. Ah, je savais que tu étais intelligent. Tu es venu avec ta fille? Oui, c'est pas ça. Non, j'ai une question. J'aurais aimé savoir si c'était possible de connaître un dossier sur chacun lors du tournage. Un dossier sur vous, comme bien. Ah, sur vous deux, sur vous deux uniquement. Non, ne lis pas. On va parler d'un autre. Moi, je sais qu'il y a. Alors, je vais raconter un dossier sur moi. Un week-end, on est parti à Saint-Tropez. Je me suis battu. Enfin, on m'a battu. Et j'ai craché du sang. Donc le lendemain, je me suis un petit peu inquiété, je suis allé aux urgences, et donc j'ai été obligé de faire une fibroscopie, et donc une fibroscopie qui a anesthésie générale. Et donc je suis arrivé sur le tournage en sortant de l'anesthésie générale, et j'ai fait un peu... Menteur ! Une tumeur !
Carlos, raconte-nous sur toi. Je ne sais pas. Ah, c'est mytho. Non, je ne sais pas. Et le mec qui s'appelait Stéphanien et que t'as dit, ah, tu me plaisais quand tu t'appelais Stéphanien. Tu ne rappelles plus maintenant que t'appelles Stéphane. Non, je n'ai pas de système, on va bien, c'est bien marré. Enfin, vous allez voir, il y a une scène que je, dont je suis éclaté, que je me suis éclaté à faire. Et vous allez voir, on a tourné une semaine sur ce. Et c'est un gros kiff. On a fait une fois la fête. Attention, termine. On a fait une fois la fête, une fois, et je ne me suis pas réveillé le lendemain. Et là, ton anecdote, je ne me suis pas réveillé, donc quelqu'un a frappé la porte, devant la porte, il y a un autre folio, trois. C'est la première fois que ça m'arrive. Voilà. Et donc, je ne sais pas. C'est ça, moi, je vous parle de la relation de travail. C'est toi qui me parle de ça. Non, c'est pas moi, c'est le mien. Écoutez, je pense qu'on s'est fait un bon lit sur les trois dernières vannes. C'est un bon signe. Ça veut peut-être dire qu'il faut. Non, mais je pense déjà sur la question, je vais vous laisser un petit peu. Mais c'est pas grave, merci beaucoup. La question c'est comment est venue l'idée du film? L'idée du film est venue par un système de bruit. Merci à tous, passez une bonne soirée. N'oubliez pas de faire des bisous sur les réseaux sociaux qui s'accompagnent. Merci de nous avoir accueillis ce matin. Au revoir. Merci à tous. Merci à tous.